Le coup d'envoi est donné dans cette finale de Coupe de France Motoball 2023. Avec Carpentras à l'attaque. Nuzo à l'attaque. Une situation pour Nuzo encore. Avec cette frappe, elle était déclenchée à l'entrée de la surface dans la région de Troyes. La frappe, elle aurait pu être dangereuse. Cette première alerte dans la surface de réparation de Carpentras. Il laisse passer pour combiner. La frappe et encore le gardien. Allez. Qui s'interpose. Ce premier carton. La passe en profondeur, elle est lobée. Oh, il avait fini derrière le cadre. Nuzo sur le côté. Nuzo qui déborde. Oh là là, elle aurait pu passer cette incursion dans la défense. Les arbitres qui laissent l'avantage. Et il y a peut-être une opportunité pour les Troyens avec ce coup de patte. Et l'arrêt. C'est bien créé ça de la part d'Hugo Tatin. Tatin l'incursion. Ouais. Tatin le but. Le premier but de cette partie. Inscrit par les locaux. Roue arrière pour célébrer. Tatin qui ouvre le compteur point. Ah, il a passé tout le monde. Ouais. Et il trouve les filets. Hugo Tatin, jeune joueur de 22 ans, dans le côté accélération de Paul Legros. Oh là là. Aïe aïe aïe, ça s'est envolé, ça a quitté la moto. Ça s'est passé ici. Ouf. Ah ouais, ouais. Ouais. Un petit peu trop d'engagement quand même là. On va revoir cette situation où il avait en plus le contrôle quasiment du ballon et il se fait percuter violemment. Flores en zigzag. Bon, c'est joliment fait ça. Bien travaillé, la frappe. Et la fin de ce premier carton. Celui qui a obtenu la faute, pas forcément. Si, elle est pour lui. Le Russe qui arme. Et voilà un tap buteur qui répond de la meilleure des façons à son statut. Toujours lui, Roman Dezina. C'est un très beau tir, très franc, très net. Ah, le gardien ne peut rien faire. Hein. Non, il ne voit pas le départ du ballon. Et il n'a rien pu faire contre cette merveilleuse frappe. Et il a égalisé. Mais tout de suite, la réponse de poteau. Le poteau trouvé par Carpentras. Que c'est comme ça qu'ils ont marqué tout à l'heure les Troyens. Et voilà un ballon bien capté qui va s'élancer. C'est pour Tatin la déviation. Tout le monde y a cru. Non, petit filet. Petit filet. C'est souvent lui qui prend les responsabilités. Cette fois, c'est pour son coéquipier. Oh, exceptionnel. En pleine lucarne. Quentin Flores. Quel bijou. Il est venu trouver. Oh, quelle lecture, ça fait deux fois. Et là encore, le gardien ne peut rien faire. Quelle frappe. Ah ouais, c'est millimétré. Donc ils vont pousser jusqu'à la fin du match, ce qui est logique. Allez, hop. Nuzo. Oh, la frappe, elle est sublime. Comment arrêter une frappe parfaite de Jason Nuzo. Quel joueur. Troisième carton qui égalise contre 3. Un excellent travail parce qu'il fait le ménage, il descend les joueurs les uns après les autres. Voilà, la percussion dans l'attaque. 2 minutes pour l'emporter ou sinon c'est la prolongation. La frappe, elle est au-dessus. 20 secondes, c'est peut-être la dernière attaque pour Carpentras. 20 secondes pour être le héros, la parade. Oh, énorme, énorme arrêt de Jean-Marc Landréal. C'est pour Flores. Oh, l'arrêt. L'arrêt qui sort des limites du terrain, ce ballon. Bourgeon, le slalom, il est passé cette fois. Bourgeon sur son pied droit. Oh, Faut revenir à l'action. Il faut revenir à l'action. Le but, il est signé de celui qui avait ouvert la marque. Tatin, debout sur sa moto. Le but qui permet à Carpentras de prendre l'avantage. Qui trouve une très très belle passe. Et un Tatin opportuniste. Mais attention, il va falloir revenir au direct. Il faut revenir au direct parce que... Allez. Ouais, mais ils peuvent aggraver aussi le contre. Oh, le contre énorme. Oh là là. La délivrance de Carpentras avec ses héros, avec le héros, le capitaine Jason Nuzo. Dezina, le coup de patte. Énorme. S'il marque maintenant en terminé,
Oh là là, l'exploit individuel. S'il va au bout, c'est magnifique. Ouais. Oh, quel but de génie. Il peut saluer la foule et faire un grand tour. Quel talent. Regardez cet exploit. Il a ouvert toutes les portes. Il s'est faufilé et le pied droit magistral pour finir au fond des filets. Moins d'assister à un truc surnaturel. Oh là là là-bas. Et c'est terminé. Carpentras remporte la Coupe de France 2023. 2 ans après sa dernière, remportée contre cette même équipe de Troyes. Quelle belle soirée, on va conclure là-dessus sur Sport en France.